Salut, c'est Rocket. Alors juste avant que la vidéo commence, je tiens à faire un petit aparté à propos des deux épisodes, l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc là vous êtes sur l'épisode 1. Mon micro grésille un petit peu, j'en suis désolé. Ça sera corrigé à partir de l'épisode 3 parce que j'ai déjà tourné les deux épisodes. Donc du coup j'en suis vraiment désolé. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas ça va lancer une très très grosse série parce que ce jeu c'est vraiment une tuerie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je te laisse une agréable vidéo. Lâche un petit pouce bleu si à la fin de la vidéo si ça t'a plu. Et je te dis à la prochaine. Bonne vidéo. Ciao, ciao. Système de bouclier cinétique activé. Scanner endommagé. Réparation requise. Jetpack de propulsion aérienne activé. Outils et accessoires laser d'extraction opérationnels. Séquence d'initialisation de l'utilisateur terminée. Eh bien salut à tous les amis, c'est Rocket, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur No Man's Sky. Alors je suis sur PC, c'est la première fois que je lance le jeu et ça bug un petit peu. Je sais pas si c'est dû à mon logiciel de capture ou pas. I don't know. Commande, option, voilà, option. Ah, c'est pas dans option, c'était plus dans graphisme. Moniteur primaire, V-Sync. Ok. Ok, d'accord. Anti-aliasing. D'accord, champ de vision gamma, détail des textures, max IPS. Ah, ok, bon. Au niveau des commandes, ça va pas le faire. Avancer à gauche, et voilà, ça devrait aller mieux. Alors, No Man's Sky, nous y sommes. Nous y voilà, c'est magnifique. Ah, d'accord, alors, par contre, commande du coup. La touche Q, ça ne va pas avec quelque chose qui doit être strafe à gauche. Commande, on est bien aux commandes là. Ah oui, voilà, là j'ai trouvé. Hop, voilà. Et la touche Z, c'est la touche pour. Ok, il n'y a pas. Il n'y a pas la touche Z quelque part, ça me dit que ça va pas. Avancer. Ok. Nager vers le bas, nager vers le haut. Pourquoi nager vers le bas ça? Moi il y a plutôt un S pour nager vers le bas. Voilà. Interagir, scan, C, activer torche. Augmenter zoom, tout ça. Alors au niveau des graphismes, on peut vraiment pas modifier en fait là. Ah, il faut appuyer longtemps, d'accord. Voilà. Max IPS du coup. Voilà, on veut mettre à 30, appliquer déjà. Je ne savais pas en fait. Faut que les manettes soient prises en charge. Ok. Bon, alors du coup, nous voici sur No Man's Sky, premier épisode. Alors la qualité risque d'être plus ou moins moyenne. Que vous avez vu, c'est un petit peu buggé, j'en suis désolé. Et en fait, alors je dois vous avouer un truc. Déjà, je suis extrêmement choqué que le jeu ne fasse que 2,5 gigas. Voilà, je suis vraiment choqué. Je ne pensais pas. Je pensais vraiment pas. Je pensais pour moi que genre 2,5 gigas, ça allait télécharger un launcher et après le jeu. Et ben non, absolument pas. C'est... Enfin, vraiment, je m'y attendais pas du tout.
Du coup, on va récupérer un petit peu les ressources de fer, tout ça. Je ne sais pas trop comment on joue, j'ai regardé quelques vidéos. Donc du coup, écoutez, on va essayer de se débrouiller un petit peu comme ça. Je crois qu'en fait, Myrillis Action n'est pas trop compatible avec, avec No Man's Sky, parce que j'ai mon overlay de FPS en haut à droite qui est buggé. Alors je pense que ça doit faire un petit peu bugger des fois. Alors si des fois il y a des petites latences ou autres, j'en suis désolé. Du coup, voilà, on récupère tout ça, miam miam miam. Ah, il y en a un deuxième en fait. Inventaire. Inventaire, inventaire, inventaire. Oh. Ok, bonjour. Est-ce que c'est agressif ça? Non. Alors tab. Voilà, tab. Donc là, du coup, j'ai pas mal de fer. Ce qu'il faut que je fasse. Énergie. Il va falloir que je trouve des isotopes pour charger mon système d'énergie. Ah oui, alors j'ai aussi mon vaisseau là. Voilà. Il est là, regardez comme il est beau. Alors ça bug, pardon. Hop, voilà, interagir. Oula, petit bug des familles. J'en suis désolé, ça sera réglé pour le prochain épisode. État critique. Ah, état critique. Alors, on va voir. Du coup, voilà. On voit ça. Donc là, il y a multi-outils, blablabla. Il va falloir que je répare ça. Il va me falloir du carbone. Ça. Ça, c'est réparé. Il me faut du carbone. Il me faut des isotopes sur le vaisseau, du coup. Il me faut... faut des feuilles comme ça. C'est des technologies, ok. Alors c'est pas trop ça, attendez. Alors c'est la première fois que j'y joue, hein, comme j'ai dit, donc c'est un petit peu la découverte totalement. Fabriquer produit. Ah voilà. 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 Encore une fois. Ça. Et donc ça, voilà. Il me semble après qu'il faut que je fasse transférer. Et là après, il me semble que dans le vaisseau, après, je peux réparer ça. Bon, déjà on a ça qui est réparé. Il me faudra encore de l'énergie du plutonium. Alors il va falloir que je trouve de l'iridium et trouver du zinc. Ok. Avant, il faut aussi que je refasse une petite feuille comme ça que je vais donc transférer. Ça, c'est fait. Il me faut de l'énergie, les gens. Du coup, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Point de restauration. Interagir, élément. Ok, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Débris. Passe atlas nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Perle de fascination. Du fer. Ah 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 ah. Nouvelle technologie découverte. Impact de rayon theta. Le rayon phasique détruit les vaisseaux astéroïdiques ciblés plus rapidement. Ok. Alors du coup, aussi j'ai vu, ils m'ont dit dans options. Apparemment, je sais pas quoi, ils m'ont dit que j'avais des pièces non récupérées, je sais pas quoi là. C'est quoi en fait? Activer le contenu supplémentaire. Ah. Oh. Ah. Ouh. Ah. Ah. Ok, intéressant ceci. Il va me falloir de l'énergie, tout ça. Du coup. Je ne comprends plus rien, mais bon. Accepter peut-être. Je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait en fait. Hein. J'aurais dû faire ça avant, mais bon, c'est pas grave. Alors, voyons voir un peu ce vaisseau. Tab. Alors, qu'est-ce qu'il lui faut? Iridium. Feuille de kite. Bon, du coup, je les ai utilisées dans le vent. Et du coup, j'ai que ça à réparer. Bon, il va me falloir de l'iridium. De quoi recharger. Tout ça, tout ça. Ok. Alors, est-ce que j'ai de quoi refaire des feuilles ou pas du tout? Oui. Hop et hop. Ensuite,
Là maintenant, si j'ai bien compris, voilà, il faut trouver de l'iridium. Alors c'est pour le scan, état critique, scanner. Ah, il faut que je trouve du carbone avant. Il faut que je trouve du carbone. Alors où trouver du carbone? Très bonne question. Alors excusez-moi encore une fois, là je modifie tout plein de trucs. Après ça sera tout bon. C'est parce que j'ai voulu lancer le jeu en même temps. Alors champ de vision, on va augmenter. On va voir 95 peut-être. Appliquer. Redémarrage nécessaire pour changer le feu. Ok, bon, tant pis, c'est pas grave. Est-ce que ça. Ah, ça donne des isotopes. Hop là. Ouh, ça en donne plein. Du coup, là, on a du fer s'il y a besoin. Donc là, si j'ai compris, voilà, j'ai le jetpack. Génial. Du coup. Alors, normalement, la vidéo sera en 60 images par seconde. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a des bugs. Ça sera modifié la prochaine fois. Et bien évidemment, 1080. Ouh, platine. Platine, platine, platine. Bon, est-ce que si je descends là, je pourrais remonter après? Ça, c'est moins sûr. On va aller. Attendez. Pas faire de conneries. Regardez là, il y a un petit truc. On peut détruire des trucs depuis là, ça c'est cool. Regardez. On va récupérer un petit peu de fer comme ça, regardez bien. Forcément, il reste un tout petit peu. Et attention. Boum. Ça c'est cool. Ouh putain. Alors, est-ce que quand il va faire nuit, va y avoir des. Ok, attendez, ça donne des trucs, ah, bien. Ça donne l'isotope, il va vraiment falloir. Du coup, là, il n'y a rien à fouiller. Fer. 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 Du coup, je vais essayer de passer ça là. Ça met un petit peu chaud patate. Ça donne des trucs. Oh, carbone, isotope. Isotope, il faut récupérer tout ça, c'est important. Et c'est parti, on y va, attention, attention. Voilà, c'est bon. Oula, petit bug, j'en suis désolé. C'est parti, on reprend ça. Nice. Boum. On détruit tout ça, il va y en falloir la blinde. Voilà. Surtout que ça en donne pas énormément à chaque fois, donc. Ok. Isotope, isotope. Il semble qu'il me manque du carbone, hein, je suis pas sûr, ou un truc du genre carbone. Alors, scanner, c'est C. Ah, ça, c'est bon, ça. Mon vaisseau, il lui manque quoi? Il faut du zinc, oulala, et de l'iridium. Plutonium, il me faut aussi du plutonium. Alors ça, est-ce que ça serait pas ça le plutonium? Là, ça c'est quoi là? Attends. Ah, titanium, là j'ai vu. Voilà, et vous avez vu quand c'était caché? Carbone. Je récupère, je m'en fous, je récupère tout. C, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Il va me falloir. C'est quoi ça? Oh, dépôt d'iridium, il faut y aller, les gars. Tout de suite, c'est important. Platine, je prends. Ça mange pas de pain. Faible, ça 75%, c'est pas mal, ça, non? On va aller voir qu'est-ce que c'est là et après on va aller voir là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Interagir, pierre du savoir. Vous avez pris le mot rare en Corvax. Ok. On va aller voir aussi qu'est-ce que c'est que ceci. Un petit bug, voilà, c'est bon. Isotope. Nouvelle technologie découverte, le champ d'énergie renforcé. C'est béni ça. Plus de piratage nécessaire. Ah ok, bon, triste. Une autre pierre de savoir, avertissement. Ok, on sait jamais, si jamais on doit avertir quelqu'un de pas nous toucher.
Est-ce qu'il y a un truc intéressant là dans le coin? Non, 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 non. Bon, maintenant, il va falloir voir si je peux monter là. Ah oui, allez. Oh oui, victoire. On va rescaler un petit coup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du fer. Oula. Alors, est-ce qu'il va y avoir des créatures méchantes dans le coin? Très bonne question. Ça serait une grotte, ça, ou pas? Du fer. Non, absolument pas. Du coup. Bah, écoutez, on va se diriger vers le dépôt, hein, d'iridium. Arrivé dans 4 minutes, à peu près. Oh! C'est quoi? What? Or! C'est de l'or sans déconner! Tout ça! Mais c'est magique! Oh non! Pas maintenant! Ah ok, donc différents trucs. Ok. Ça défonce. Et ça, c'est quoi ça là? Oh là là, c'est magique. On va récupérer un max d'or. On récupère, on récupère tout ce qu'on peut. Je suis absolument pas chiant, ok, c'est bon, je suis là. Ça, c'est cool, ça, de l'or là. Ça, c'est très sympa. Du coup, voilà. Bon, écoutez, je vais aller voir juste ce que c'est ça avant. Ça m'intrigue. Et alors, juste, c'est quoi ça? Visière, appuyer sur F pour faire un zoom. Iridium! Oh yes, c'est cool, on n'a pas besoin d'attendre 50 ans. Alors là, c'est vraiment cool. Pas besoin d'aller jusqu'à 100 000 mètres. On va bientôt avoir notre petit vaisseau. Ça, c'est plutôt cool. Allez, allez, allez. Oula, je suis où? Plein d'iridium, c'est la pluie d'iridium. Les prochaines vidéos aussi seront sûrement en facecam aussi. Mais bon, pour l'instant. Donc ouais, je suis vraiment choqué, le jeu fait que 2,5 gigas. Vraiment étonnant. Enfin, j'ai trouvé étonnant en tout cas. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez dit. Bon, au début, j'aurais cru qu'il ferait pas 60 gigas quoi. Le jeu, il est énorme. Voilà, recharge-toi. On prend un maximum d'iridium. Alors, voyons voir. Vaisseau. Qu'est-ce qui nous manque exactement? Il nous manque du zinc, important du zinc. Et plutonium. Plutonium. Alors attendez, plutonium. Exocombinaison. Je crois que j'ai utilisé le plutonium sur mon truc. Sur mon arme là. Alors est-ce que aussi. Système de survie. Voilà, comme ça là on est bien. Du coup. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. C'est quoi ce bruit? C'est ça là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du fer. Fer. Faire. Il nous faut du zinc. Ah, c'est quoi, c'est quoi? Ah, tamium, c'est pas du tamium qu'il me faut. C'est pas du tamium. Ah là là, misère. Il me faut du plutonium, très important. Arrivé, arrivé, c'est quoi? Ok, je sais pas. Carbone, et ça c'est. Tamium. Ah! Récupérer 20 de zinc. Ça ressemble à ça.
Là peut-être. C'est peut-être deux joueurs ça. Je sais pas du tout. Ah, un truc de savoir. Oh non! 200 unités ont été créditées sur votre compte. Ok. Corvax, encore Vax. Le mot Corvax, encore Vax. Ça, Dimax, c'est du zinc. Oxyde, oui. Inventaire plein. Alors attends, inventaire plein, c'est-à-dire exocombinaison. Et là, on va faire transférer. Voilà. Et donc là. Oh, 15, il m'en manque 5. La grosse blague, sans déconner. Là. Ah, j'y crois, allez, j'y crois. J'y crois dur comme fer. Montre la spy, là, il y a deux gros trucs, là. Je ne sais pas, et allez, c'est quoi? Titanium. Oh. Ça se prend quand même, hein, le titanium, hein. Titanium. Il me faut du zinc. Ah oui, ça s'en est. Si pusta révium. C'est quoi ça? C'est énorme. Nourrir? Attends, je peux le nourrir? Mais c'est génial! Il est trop content. Hey, mon ami! T'as une de ces gueules, par contre, mon pote! C'est quoi ça, franchement? Bon, alors, faisons le petit point. Nous avons... 38 de zinc, c'est suffisant. Qu'est-ce qui nous manque globalement? Il nous manque juste du plutonium. Alors, du plutonium. Plutôt. Ah bah voilà, eh. C'est pas genre beau quand même, eh. C'est magique que je trouve quand même ça. Il manque du plutonium, je tombe sur du plutonium. Ouh, t'as l'air plus gros toi, non? Tiens, je nourris tous mes amis. Parce que je vous aime. Je récupère un petit peu d'or sur le passage et on va se diriger vers le vaisseau tranquillou. Pour pouvoir réparer tout ça. Et partir. C'était chaud. On va pas se mentir. C'était chaud patate. Du coup, on va retourner dans mon X-Wing. Waouh! Affreux toi. Ça m'a fait mal. Hop. On passe à travers les petits arbres. Parce qu'on respecte rien. Oula. Oh, bah c'est bon, c'est suffisant mon ami. Je sais pas si c'est des vrais joueurs. Non, je pense pas que ce soit des vrais joueurs. Le monde est beaucoup trop énorme, grand pour que je rencontre directement autant de joueurs d'un coup. Sachant qu'en fait, pour ceux qui savent pas, chaque joueur... Hop, concentration, excusez-moi, je me suis concentré. Chaque joueur va spawner sur une planète totalement différente, vu qu'il y a un nombre de planètes tellement incroyable que... du coup, ça va être dur de se retrouver. Mais t'es choupinou, toi ? Bah oui, tiens mon petit. Regardez comment c'est choupinou ça. Regardez. C'est mignon, non? Bon allez, on y va. Continuons. Mon vaisseau. Oh, il est là-haut. Oh. Je pense pas, attendez. Il y a une pierre. Est-ce que vous pensez que je peux atteindre là, cet endroit? Allez.
Yes, j'atteins mon X-Wing. Mon petit X-Wing. Alors on y va. On va appuyer sur table. Et là, regardez là. Boum. Et là, boum. Oh, Tamium. Oh, c'est bon, j'ai du Tamium. Du coup, alimenter les propulseurs pour le décollage. Et ils sont alimentés les propulseurs là, non? Non? Alimenter les propulseurs de décollage? Mais... Ah, faut les mettre au max, non, sans déconner. Ça m'aurait pas fait une fausse joie. Attends, il faut que ça soit au maximum. Oh, ça, c'est déçu. Ça, par contre, ça, c'est quoi, ça? La réalité semble se recourber sur elle-même. Un instant, je vois des débris, puis l'autre, un grand orbe rouge. Ok. Presque trop grand et trop éblouissant pour qu'on puisse le regarder. Il me connaît de fond en comble mieux que je ne me connais moi-même. Est-ce là le visage de la création elle-même, ou bien à peine réveillé et troublé, suis-je manipulé? Un nom incandescent pénètre dans mon esprit. Atlas. Ainsi qu'une demande inexprimée. Que je suis la voie que cet être, cet Atlas a prévu pour moi. Allez, j'ai accepté. Ok. De l'approbation bienveillante. J'étais perdu, mais on m'a trouvé. Ok. Des trucs qui volent. Des trucs qui volent. Ah bah, réparation du vaisseau terminée. Ah, fallait que je parle à ça en fait. Donc là c'est bon en fait, globalement. Bah oui. Bah voilà. Alors, est-ce qu'il y a juste une touche pour voir la carte? Changement d'arme, c'est X, courir. Commande de vol, accélérer. Très important, on va mettre ça. Tourner à gauche, on va mettre ça. Tourner à droite, sortir de vaisseau, amorcer l'atterrissage. Tirer, changer de tarme, scan, plus au réacteur. Carte galactique, c'est M, les gars. Attention! Ça marche pas. Du coup, on va. Oh putain, ça y est. Yeah. Youhou. On y est, les gars. Yeah. Oh. 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 Interférence planétaire. Attends, non, je me suis trompé. C'est un putain de TSS bordel. Ok, c'est comme ça. C'est bon, c'est bon, tout va bien. Parce qu'en fait, j'ai vu un truc là, juste à côté. Mais en fait, je voulais pas sortir, je voulais aller à un truc là, juste à côté. Faut que je remonte. En fait, c'est chaud à piloter. Moi, tout ce qui est vaisseau, j'ai toujours un petit peu de mal. Merde, je me suis trompé. Oh non, tu vas voir que je vais pas avoir assez de... C'est... Oh mon dieu. Quelle espèce de gogolito. Sans déconner. Oh. Naxifère le yeux d'Unus. Qu'est-ce que c'est ça? Iridium, bon, on en veut pas. Bon, attendez, on va aller retourner dans le vaisseau en espérant avoir assez pour décoller. Non, c'est pas ça, Pélo. Oh. Non. Eh bonjour, je vous ai fait une fausse fan, j'espère que vous aimez. C'est bon, c'en est ça. Regardez. J'en ai assez. Ne panique. Tiens, c'est ça que je vais aller voir là-bas. Du coup, on va récupérer ça là. Voilà, du plutonium. Allez, à boule. Ça m'en a donné 100. Bien, je regarde s'il n'y a pas un autre petit filon juste à côté là. Ah bah tiens, regardez, hop là, on pète tout nous, on n'a pas le temps, voilà.
Ah, une nouvelle espèce. C'est quoi ça, ça? Enfin, cochère, un espèce. Waouh, énorme. C'est énorme. Et là, il y a un autre truc là. C'est un bébé. Carbone. Vous avez déjà découvert ceci. Oh, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ça a des ailes? Ça a des ailes, mon gars! On va voir ça direct. Oh mon dieu. Regardez! Ceci, ça a des ailes, c'est un bébé, c'est le petit, la maman. Irrégulier, passif. C'est passif. Petit, petit, petit. Attendez, je vais essayer de leur donner à manger, à manger, à manger. T'es mon ami, mais est-ce que tu sais voler? T'as des ailes. T'as des ailes, mais tu sais pas voler, sans déconner. C'est con, ça, quand même. Ça, c'est vraiment con, je trouve. Ou kryptonite. C'est pas kryptonite, mais je prends parce que c'est stylé. Sûrement ça servira. Tiens, voilà, c'est ça qu'il me faut. Voilà. Oh. Ça, c'est juste du carbone. Ah, là. Voilà, puis là, je vais en avoir assez. On va y retourner. On va retourner à notre petit vaisseau. Voilà, je me suis vite éparpillé. Alors, faudra voir en fait. Je sais pas trop. Je pense qu'on peut créer genre sa propre base ou améliorer la base déjà existante. Du coup, on va y retourner. Voilà. C'est déjà 30 minutes que je joue. Ouais, le temps il passe tellement vite. C'est un truc de ouf. Ouh! Oh! Comment c'est beau. Regardez-moi ça sans déconner quoi. Regardez-moi ça quoi. 2,5 gigas le jeu il pèse hein. C'est ouf. Et hop là. Donc là voilà, c'est là-bas que je vais aller. Oula. C'est bon, le jeu il a frisé un peu. Ah ah ah, truc vert ça, qu'est-ce que c'est que ça? Aluminium les gars. Cool ça, je suis sûr que ça va être genre super rare et chiant à trouver ça. Du coup je prends et on est pas loin de notre vaisseau, donc il va juste falloir aller tout droit là-bas. C'est nickel ça. Vous voulez épuiser. Ok. Alors en fait moi le jeu No Man's Sky, je l'attendais absolument pas, j'ai regardé la bande-annonce il y a 3 jours. Voilà, et donc le jeu est sorti maintenant. Donc c'était vraiment quelque chose que je n'attendais pas, c'est ça qui est encore plus ouf. Et ça a l'air d'être un jeu tellement incroyable, tellement ouvert, tellement de possibilités, tellement de choses aléatoires. C'est vraiment incroyable. Alors, voilà, non, c'est pas ça que je voulais faire. Mince. Ah, c'est ça. Plutonium. Pour ça, il faut du timium. C'est pas grave, on s'en fout. Oula, attention, petit bug, on va tourner tranquillement, on va y aller tout doux les gens. Tout doux, voilà. Et donc là, on va s'approcher un maximum. Un maximum, un maximum, un maximum. Et on a... Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que ceci. Land de Lysisip. Ok. Non. Alors, par où est l'entrée? Une petite grotte là-bas. Un spot de sûrement Iridian, je pense. Ok. On va voir. Oh! Bonjour.
Inventaire plein, attends. Tu veux me donner des trucs, mon ami? Alors, attends, pas de soucis, hein. Ok. Bonjour. Entité savante. Ouais. Quand j'approche de la forme de vie électronique, elle se met instinctivement à m'analyser des pieds à la tête. Elle babille frénétiquement, la tête inclinée sur le côté. Plus elle m'étudie, plus la cellule de ressources de l'installation consomme ce qui, d'après mon scanner, semble être des éléments silicates. J'indique par des gestes que je connais mal son mode de communication et les lumières de son casque se mettent à clignoter. Donner un silicate commun. Est-ce que j'ai ça? Je sais pas. Ah! Il faut que je prenne! C'est dans mon vaisseau! Attends! Attends, mon ami. Don't move. Est-ce que j'ai pas ça, là, dans mon vaisseau, là? Cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-zonite, aluminium. J'ai rien de tout ça, mon poteau, hein. Je suis navré. Est-ce que t'as des trucs pour moi? Concentration de machin. Traite plus rapidement les matériaux. Aïe, moi, je veux créer ça. Comment est-ce que je fais après? Multi-outil? Oh! Oh! Lance-foudre! Sans déconner! C'est ouf, ça! Oh! Génial! Il y a quoi ici, amigo? Porte. Un passe. Mais c'est quoi les passes Atlas? Interagir. Dispositif. Santé au maximum. Ah, cool ça! Il y a rien là-dedans. La plante, elle donne rien? Non. Je vérifie, hein. Je découvre le jeu en même temps que vous. Et passe Atlas? Passe Atlas. Oui, il faudra voir un peu ce que c'est que le passe Atlas là, un peu. Et alors, on peut pas ouvrir la carte, hein. Je pense qu'il faut être genre dans l'espace. Ouais. C'était tellement ouf. Oh, génial! Ouf! Ouf, ouf, ouf! Ça, c'est cool. Sans plus tarder, on va aller voir ça, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, ah, des petits trucs à fouiller, ça, je crois. Ouais. Alors on va juste se remettre un petit peu de trucs là dans l'exo-combinaison. Parce que sinon ça va pas le faire. On va se remettre à fond un petit peu plus tôt. Dans le multi-outil, maxi-outil, on va se mettre carbone à fond. Voilà. Du coup il n'y a rien d'autre à fouiller là. Ça, oxyde, vendu. Ouh. Éclat de bladinge. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Sauvegarder, ok, c'est pour sauvegarder. Voilà, c'est sauvegarder. On va pouvoir monter dans notre vaisseau, les amis, et sortir pour la première fois de cette atmosphère de la planète. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, en tout cas, je suis trop heureux. Et là, on va directement vers le haut, et c'est parti, à fond les bananes. Allez, on active le petit boost. Oh là 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 là, ça y est, on y est. Wouhou! Génial. Wow, la vache. Alors nous avons... Oh, station spatiale là-bas. Station spatiale. Et là, Batlanocus. Arrivé dans quelques temps. Ouvrir la carte galactique M. Wouah. Alors vous voyez là tous les points blancs, sans déconner. Eh bien c'est... Voilà.
Attendez, parce que par contre ça a l'air d'être oufement compliqué. Attendez, c'est là. Ça a l'air bien compliqué tout ceci, très chers amis. Ok, ça c'est pour se déplacer. Non, 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 attends, attends. Alors je découvre en même temps que vous. Bon, écoutez, c'est à 59,6 années-lumière. Aucun rapport trouvé. Et mes machin machin, frontière ornithorynque, ça c'est quoi? Frontière machin, 4 planètes. Mode d'exploration libre. On a sélectionné. Du coup. Waouh! Ouais. Regardez-moi ça sans déconner. Il y a tellement de trucs. Mais du coup, en fait, moi je m'en fous. Quitter la carte. Moi je vais aller là. Regardez les gars, hyper propulsion. On essaie de bien se caler, on va aller voir à la station spatiale. Il va sûrement y avoir des choses, j'en suis presque sûr. Arrivé dans quelques secondes, c'est parti pour notre premier petit voyage spatial. C'est génial, regardez-moi ça, comment c'est beau. J'en reviens toujours pas, 2,5 gigas. C'est ouf, c'est vraiment ouf. Je sais jamais cesser de le dire, mais c'est vraiment incroyable. Du coup, nous arrivons dans quelques secondes. Alors, j'imagine que notre vaisseau spatial, on va vraiment pouvoir le personnaliser à chaque fois. Je me demande si on va pas... Enfin, je pense peut-être que c'est pas encore là, mais sûrement on va pouvoir créer... Voilà. Proximité d'une station spatiale, ok. Alors, attendez, je ne comprends absolument rien. Ok, c'est là. Ok. Donc là c'est pas moi qui conduis, là c'est ça c'est tout seul. Et je sors là. Oh c'est comme dans le trailer, c'est de là qu'il décolle. C'est génial. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça sans déconner, mais ce jeu, c'est ouf. Et regardez-moi cette bande son aussi. Bonjour mon ami. Alors qu'est-ce qu'il nous dit lui? Entité de code. Les salutations lumineuses de la forme de vie électronique ralentissent tout à coup, ses lumières faciales se dilatent lorsqu'elle accède à ses données personnelles et ses systèmes internes plantent. Des colonnes de données indiquent que ses niveaux d'énergie chutent. Oh non. La forme de vie électronique me demande de l'aide d'un regard, puis m'indique mes ressources d'un jet lent et désespéré. Je n'ai pas ça, mon ami, je suis vraiment désolé. Ah. Mais c'est quoi ? ABC. Ah merde ! Attends, mon ami. Mais attends, mon ami. C'est quoi qu'il te faut, bordel? Mais j'ai pas ce qu'il te faut. T'as cru quoi? T'as cru que... Oh. J'ai pas, moi. C'est quoi, là, le bruit? C'est un vaisseau qui arrive, là? Ça serait ouf. Oh! Sérieux là? Non, il y a aucun joueur qui sort. Hé!
c'est des entités, voilà, c'est pas des vrais. Ouais. La forme de l'électronique prépare les données relatives. Oh! Attends, attends, on peut acheter des vaisseaux là! Il me faut un gros vaisseau! Merde! Reviens là, toi! C'est quoi ces réacteurs sans déconner? Regardez-moi ça! What? Donne-moi ton vaisseau! Je le veux! Combien est-ce que tu me l'achètes? Oh, t'étais une irritation. $1 290 000 et refuser le vaisseau. Je suis désolé, mon ami, mais ça va pas être trop possible en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Sympa, franchement, c'est cool. Oh, il est si à son vaisseau. Eh oui, il faut un atlas. Eh bien, écoutez, les amis, ça fait 45 minutes de vidéo, même plus, 46, 47. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'y prends un énorme plaisir. Ce jeu, c'est totalement une tuerie. Du coup, je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant. C'était Rocket. Ciao, peace tout le monde. Je vous aime. Bye bye.